Bonjour Marie. Bonjour. Alors nous sommes à la médiathèque et tu viens d'installer une belle exposition, donc je te laisse le soin de nous la présenter. Oui, alors du coup, je travaille pour le CIVEDAC, le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération cannaise. Nous avons entrepris un projet il y a 2 ans avec le lycée Laplace. L'objectif était de réaliser des œuvres, costumes, robes, accessoires à partir d'objets détournés de déchets, essentiellement de plastique avec un peu de tissu. Voilà, le projet était lié donc à deux pans. Enfin, il a été conçu dans 2 axes. Le premier, dans le cadre d'un gros événement qu'on voulait mener le 12 juin 2021, et le deuxième, dans le cadre des extensions de consignes de tri qui sont maintenant sur votre territoire depuis le 1er octobre 2020. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de faire un projet sur ces deux temps forts. D'accord. Et donc là, toutes les robes que l'on peut voir, soit en vrai, entre guillemets, ou en photo, ont été réalisées par des jeunes étudiants en section art appliqué, c'est ça? Tout à fait. Donc ils ont commencé il y a 2 ans, ils étaient en première, section art appliqué du lycée Laplace, avec le professeur Marielle Stecker. Et Stéphane Panel. Ils étaient en première, ils ont terminé tous leurs travaux en terminale. Normalement, aurait dû avoir lieu un défilé l'année dernière, le 27 juin, avec ces différents costumes. Cet événement donc est reporté au 12 juin. Si tout va bien. Voilà. En attendant cet événement, on a décidé d'en faire une exposition donc qui est exposée dans différents endroits du territoire du CIVEDAC. D'accord. Du coup, on a eu un gros partenariat avec Vallée de l'Orne et de Loudon et la direction de la culture et de la collecte de Vallée de l'Orne et de Loudon, avec lequel on a exposé cette exposition à la médiathèque des Vessies, d'ici, Fontaine et Toupefour, la salle multi-activité de Fontenay-le-Marmion, à la mairie et la bibliothèque de Lesclinchamp. D'accord. Et voilà, et éventuellement, alors dans un second temps, sûrement à Fugrolles-Bouilly cet été. D'accord. Donc là, l'exposition est visible pendant tout le mois d'avril à la médiathèque de Fontenay-Toupefour. Oui. Et nous vous encourageons donc à venir la voir de visu. Et pour en savoir un petit peu plus sur le CIVEDAC, rendez-vous la semaine prochaine oui. sur la chaîne YouTube où nous retrouverons Marie pour un entretien un peu plus approfondi sur le syndicat de valorisation des déchets. Et Marie nous expliquera également différentes choses, nous présentera une mallette et une boîte à outils et nous apprendra également à fabriquer son propre produit ménager. Oui, voilà. Tout à fait. Donc rendez-vous à la médiathèque. Merci, au revoir.